Bon Nino, bienvenue dans Jurassic Park. Oh! Ouais, c'est mon hot dog. De moins en un? Non. Allez, j'ai faim moi aussi! Est-ce que t'as payé la map? Mais personne n'est censé le savoir ça, ok? Ils savent pas qui c'est qui a payé. Ok, là on est dans le monorail, lui c'est Steve. Ouais, donc c'est peut-être qu'un boss c'est Steve. Il a un début de calvitie mais que sur la gauche. Pour son crâne, il a pas décidé encore. Calvitie, pas calvitie. Là il y a la carte, comme tu peux voir. Oh mais ça a l'air immense. Bah oui, c'est immense, c'est mon parc. T'es à chaque fois que je vais avec toi, tu t'appartiens. Au pire, c'est pas grave, je te baladerai en hélicoptère. Non, sérieux? Bah, je suis multimilliardaire, je fais ce que je veux. Ah bah, t'es multimilliardaire et pourtant tes habits. Ton short frère, il est même pas à la bonne taille des deux côtés. Ah non, ah non, attends. Regarde, même lui, te regarde. T'as demi-calvitie, là. Bon, et on lui parle à lui, et hop, je fais apparaître ça. Allez, t'as plus. Oh, mais... Parle au mec, parle au mec. Oh mais c'est stylé déjà le début. Donc Nino, je te présente mon parc. J'ai payé ça avec les cotisations des Français. C'est normal, les impôts des gens là, ça va dans ton parc. Ça va dans mon parc. Je t'attends à la sortie, vas-y viens. Comment ça tu m'attends à la sortie? Tu veux qu'on se péta? C'est à 14h30 ça, c'est pas maintenant. Oh, wesh. C'est normal, c'est Boris, il l'a repris. Wesh, il l'a récupéré comme une Pokéball. Oh, comment il te regarde lui? Pourquoi il te mate tous? Je crois que ton style il passe pas inaperçu. Arrête. Je crois qu'ils se demandent si t'es un dinosaure ou un visiteur, ils savent pas trop. Okay, rappelle-moi ton âge. C'est quoi le rapport? Bah c'est que t'es vieux en fait Nino, donc t'es un dinosaure, voilà, allez hop. Oh le bâtard. Alors, on va commencer par petit, on voit des dinosaures soft, après des... Hop. Wesh frérot, qu'est-ce que tu fais? Ils te respectent vraiment pas les gens. Ils me respectent pas, ici, hey, ici c'est moi qui ai créé ce parc, hein. Vous me respectez, hein, sans je vous tabasse à gueule. Ils te regardent vraiment tous comme s'ils t'entendaient. Bon Nino, faut bien que je leur montre à tout le monde que je suis dieu. Paf, j'ai remis le jour. Oh. Mais par contre, redis plus jamais t'es dieu Star Wars, là j'ai pas envie de brûler avec toi. Ah oui, c'est vrai que je suis un être supérieur. Ça suffit, ça te va ça? Et encore, hein, supérieur, mais ça s'habille à LG, hein. Bon, je te le dis. Bon, on y va. Aïe, aïe, non, c'est bon. Je t'avais pas tabassé la gueule ici. Tiens, lui, il vend de la nourriture, là. Hop là, il m'a donné des hot dogs. C'est pas vrai. Eh, donne, donne. Chien sauveteur. On mange du chien. C'est pour faire des économies. Allez, viens, suis-moi. Je vais te faire une petite visite, bon, bah, des dinosaures un peu gentils dès le début, ça te va? Lis pas ce qu'il y a écrit en haut, ok? Qu'est-ce qu'il y a? T'es au courant que je sais lire, quand même. Oh, shit. Oh, la tête qu'il a. Il a l'air vraiment méchant. Bah ouais, on fera un tour en hélicoptère juste au-dessus, plus tard. Bon, est-ce que toi, les fonds marins, ça te fait peur? De ouf. Moi, tout ce que je vois pas, ça me fait peur. Ah, je valide de ouf, je valide fort. Donc, si je te dis un poisson énorme de 450 km... De 450 km. Bon, j'ai un peu abusé sur la taille, mais tranquille, c'est pareil. Donc là, je te vois un énorme poisson qui fait flipper. 10 balles, tu sautes dedans. Pff, même pour une Lamborghini, je saute pas dedans, je m'en bats les couilles. Eh, oh. C'est quoi ça? C'est quand même stylé, hein, faut dire la vérité. Oh, c'est incroyable, mec! Je vais te montrer le centre d'innovation. C'est un centre assez particulier parce qu'il y a plein de trucs. Comment c'est stylé ici? Eh, ça, c'est archi bien fait par contre. Hein. Vas-y, viens, on va aller créer notre propre dinosaure. Jure, on va créer un dinosaure pour de vrai? Ouais, on va créer un dinosaure. Là. Oh putain, t'as vraiment accès aux portes et tout? Je te rappelle, c'est chez moi ici. Stylé! Non, 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 par contre, ça faut pas casser, arrête. Un néon à 2000 euros. Mais plus, là, plus. Mais qu'est-ce, cassez-vous, oui. Vous avez pas accès, vous, là. Les gens, ils me tuent. Ils rentrent, ils montent n'importe où. Mais oui, c'est des fous, wesh. Ça nous explique comment on fera, regarde. Tu mets la truc, ça fait de l'ADN. Bah, comme dans le film, en fait. Ça veut dire on peut créer un dino qui n'existe pas? Ouais, on peut faire ça. Oublie pas de fermer la porte derrière toi. Ouais, j'ai oublié une meuf, en plus, elle attend. Elle est rentrée. J'arrive pas à fermer la porte. Oh, putain. Ah, je vais t'abattre. Sors d'ici, sors d'ici. Eh, hey, c'est incroyable, on dirait ils comprennent, je te jure, c'est un truc de ouf. Mais c'est des vilains. Non, non, tu rentres, non. Tu peux en voir. Oh. Roger, viens cacher le cadavre. Ok, donc ça, c'est le docteur Roux, c'est le docteur en charge de tous les trucs. Ah oui, je veux comme dans le film, je le connais, lui. Donc voilà, il m'a donné la recette d'ADN, donc on va pouvoir faire des dinosaures. Qu'est-ce qu'on fait comme dinosaures? On ferait pas un dino qui existe pas? Tu veux faire un dino qui existe pas? Je sais pas comment on fait. Oh, genre ici, c'est pour mettre nos bébés dinosaures, ok, trop bien. Alors attends, j'essaie de comprendre comment on fait. Jax. Ouais. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a réussi à rentrer là. Oh mon dieu. Il était caché. Bah, Roger, il y a un autre cadavre à cacher. Qu'est-ce qu'on fait comme dinosaure, Nino? Je pense qu'on fait un dino tout petit, tout mignon, mais en fait, un chétan, ok? Ok, donc il faudrait Indominus Rex T-Rex Indoraptor. Oh, c'est compliqué, ouais. What the fuck? C'est quoi ce blaze? Il faut 3 ADN de T-Rex, 1 ADN de grenouille et 2 ADN de sèche. 3 ADN de T-Rex? On va les avoir comment? Bah, dans les coffres, regarde. Là, il y a de la grenouille, 2 sèches, ok, hop, je prends. Ça y est, j'ai compris, hein. Je pense pas le T-Rex, ils vont nous le donner gratuitement. Nino, tu m'écoutes? Non, je t'écoute plus, je crois que c'est le moment où j'arrête de te parler. Non, mais attends. J'ai les clés de partout, Nino. Attends, vas-y, viens. Oh! Ok. Oh, tu blaguais pas! Oh, il fait nuit. Par les saints pouvoirs divins!
Oh! Parce que je possède le parc, mais aussi la planète entière. Enfin bref. Le mec, il vient de Star Trek, il est même pas chez nous. C'est toi qui vas conduire? Ouais, c'est moi qui conduis. Mais tu fais des trucs bizarres là. Monte ou je vais sans toi. Oh, 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 oh. Allez, en avant, on y va. Oh, non, pourquoi il est plus dans l'hélicoptère? Merci d'être venu me chercher. Ok, bon, on a une mission un peu particulière. Tu vas devoir aller dans l'endroit où se trouve le T-Rex. Mais t'es un ouf, toi. Et toi, dans l'histoire? Bah, je suis au chaud dans mon hélicoptère. Mais en plus, je sais même pas c'est quoi le truc qu'il faut trouver. Comment je prends de l'ADN, frère? Je vais vers lui, je le griffe. Ouais, c'est une bonne idée. Mais t'es un malade, c'est un T-Rex, il va me manger. Mais non, tranquille. Ok, bon, t'as des questions? Oui, est-ce que je vais mourir? Il se peut que tu te fasses dévorer, mais si tu prends ça pour de la mort, ouais, y a moyen, ouais. Bonne chance. Non mais mec! T'inquiète, je te regarde de loin. Ah, en fait, j'étais avec toi depuis le début. Mais je t'ai vu partir super loin. Bon, il se peut que j'ai craché l'hélico et que j'ai dû sauter en parachute, voilà, je le dis. Je vais mourir en descendant, c'est même pas le T-Rex qui va me tuer. Mais non, regarde, tu descends petit à petit. Super saut de la mort! Ok, c'est bon. Oh, je le vois. Attends, on me dit pas l'ADN, c'est le truc là qui est là. Je suis pas Superman, on descend comment? Petit à petit, regarde, descends sur l'arbre là-bas. Ok. Mais facile. Oh mon dieu, ok, il veut te buter. Je vais aller chercher le truc. Je te vois là-bas en train de tout péter. Bah écoute, c'est comme ça. Doucement. J'ai chopé l'ADN. Eh oh, gros bouffon. T-Rex. Vite. Regarde ce que j'ai, mec. Un embryon de T-Rex. Eh wesh, mais il a yesh un enfant. Peut-être, j'en ai aucune idée. Putain, voilà, enfant. Attends, hop. Tu viens de péter un t-shirt. Mais regarde. Oh, trop marrant. Eh, t'as quand même beaucoup plus de style. On prend tout. Hop là. Oh, la dégaine que t'as. Oh. Attends, et si on prend la griffe, est-ce qu'on doit avoir une griffe au milieu du fond? Hop, ça c'est à moi. Oh, là, je prends pas de taper. Je l'ai pris. Lâche la griffe. C'est toi, lâche la griffe. Alors, il faut que je mette l'embryon dans un truc d'incubation. Donc si je mets ça là-dedans... Oh, c'est en train d'incuber. Ok, nickel. J'ai l'œuf. Déjà? Bah ouais, c'était rapide. Oh. What the... Il m'a donné une arbalète. C'est au cas où s'il se passe une dinguerie. Hein. Donc si je fais ça maintenant... Oh mon dieu. Oh. Eh mais il est peut-être pas dangereux. Oh putain! Est-ce qu'on n'aurait pas créé un truc qu'on devait pas créer? Est-ce qu'on va pas créer celui qui va faire l'extinction sur Terre? Peut-être, sans doute. Comment on fait maintenant? Parce qu'on a créé un truc un peu trop violent là. On va peut-être par l'ailleurs. Hein. Ouais, vas-y. Oh putain, qu'il nous regarderait mon film en ce cas. De toute façon, on peut pas tuer notre création quand même. C'est notre bébé quand même un peu aussi. Il y en a trois autres des œufs là-dedans. Là. Ah mais parce que y en a, on peut en faire d'autres. Viens voir, vas-y viens. Non, attends, tu vas pas en créer un nouveau. Mais fais pas ça. Non, un seul c'est. T'es sérieux là? Bon, ouais, j'ai des fléchettes hein, au pire. Je vais les endormir, bouge pas. Ninjax? Ouais, tranquille, c'est rien. Wow! Maintenant qu'on a créé notre dinosaure, attendez, on va faire quoi? Je sais pas. Bah, on va le balancer dans la foule pour qu'il bute tout le monde. Pourquoi bizarrement ça me chauffe de ouf ce que tu viens de dire? Bah, parce que en fait, je suis en train de refaire le film. Oh! Putain! On se barre. On ferme ça, c'est plus notre problème. Tu vas finir en prison là pour tous ces meurtres. Bon, là, t'as vu les trucs un peu stylés du parc, mais il y a encore mieux. Vas-y, viens, je vais te montrer. On est où là? Bah, on est à Gallimeus. Et regarde. Oh! Il y a une petite voiture. Sérieux, on va conduire? Non, je vais conduire. Pourquoi c'est toujours toi qui t'amuses? C'est mon parc. Ok, Nino. Bon, il y a des petits dinosaures autour, t'inquiète, ils sont sympas. Ils sont pas agressifs, eux? Bah non, sinon on serait déjà mort. Bah on a déjà fait la fin. Voilà, c'était cool, hein. Quoi? On est déjà arrivé? Non, mais mec, c'est quoi cette arnaque là? Ils sont sérieux? Mais c'est ton parc là? Oh, viens voir. Oh mon dieu. Oula. Ok, Nino va fort t'équiper là. Wesh, c'est quoi ça? Bah, c'est mon casque. Vas-y, viens, monte. On va peut-être trouver des dinos dangereux, donc fais gaffe à toi. Bon, on est moins protégé, mais on a plus de style. Ouais, mais on peut plus rapide qu'un T-Rex. Ça reste à voir. Hein. Alors, par où on est là? Oh, regarde à gauche! Oh, des longs coups. Regarde, ils sont là. Oh, juste à l'endroit des longs. Oh, c'est voilà. Stylé. Je suis un expert, t'en fais pas. Non, mais arrête! C'est quoi? C'est la science, c'est la science. Regarde, il se réveille. Oh! Non, mais c'est. Mais arrête! Aïe, arrête! D'ailleurs, attends, j'ai pas testé sur toi. Non! Eh, je suis pas un dinosaure! Eh, j'ai la griffe du raptor! Bon, Nino, si c'est la gyrosphère, on va rentrer dans une boule. Je sais pas si t'as vu les films. Par contre, ta boule, c'est plus un carré qu'une boule. Bah oui, mais on est sur Minecraft, mais. Oh! Donc là, il y a les petits insérés noms de dinosaures, je sais pas comment ça s'appelle. Les triceratops. Triceratops, voilà. Vos grands-mères, c'est des triceratops. Pam. Fais gaffe de pas les taper, hein. T'es fou, jamais je tape ça, frère, il va m'écraser. Oh! On tourne autour. Eh, ça nulos, on est derrière. Ok, Nino, donc là on est à la volière. Oh ouais, il y a la sphère là. Je crois qu'on doit passer par là, Nino. C'est incroyable, genre ils arrivent à te faire une architecture tout le temps différente, genre. Ah ouais, c'est le principe. Oh, j'entends des petits animaux là. Je crois pas que c'est des terras, mais c'est des trucs qui volent. Il y avait des. Oh putain, ça a l'air archi méchant. Vous êtes méchant? Oh, ils sont méchants.
T'es un ouf, toi, de rentrer dedans. Oh, bonjour. Dans ta mère. Ok, Nino. Bon, là, c'est un petit enclos. Nickel. Hop là, des petits bébés qui dorment, Nino. Oh. Oh, il s'est réveillé quand je suis arrivé vers lui. Ils sont tous réveillés, mec. Ils sont trop beaux. J'avoue, ils sont si ouf. Oh, regarde leurs dents, ils dorment avec les yeux fermés. Oh non, ils sont trop mignons. C'est des raptors quand même. Je m'en fous, c'est des raptors. C'est déjà de mes bébés direct, je m'en bats les couilles. Ah, je crois que c'était derrière la grotte, viens voir. Quoi? Regarde, il est trop stylé. Oh, mais. Oh. Oh. Oui, il a une voix un peu plus grave, lui, hein. Ouais, il est pas comme les autres. Bah non, ouais. Oh. Oh. Oh là là, c'est un truc de ouf. Oh, il fait flipper, il fait flipper. Attends, attends. Non, 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 non. Ah 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 ah